Bon, les filles, ma mère va faire une recette EMI d'Élise et elle va partir sur cette chapelure et celle-ci. Donc, par contre, elle a pris des escalopes de poulet. Donc, voilà, sur ça et ça. Bon, les filles, let's go. Maman, ça fait ton petit On va passer en premier temps. Moi, j'ai super bonne. Je vais en ajouter. En plus, il y a tout dedans. Il y a toutes les épices. Bon, les filles, c'est proche. Voilà, c'est une sorte, c'est de la farine de blé. Et ici, dans un premier temps, on vient mettre la crispy accroche. Voilà. Hop. Ensuite, dans notre œuf avec les épices escalope poulet, on vient tremper notre escalope à l'intérieur. Et on finit par la cornflakes croustillante. Et voilà les filles, le résultat de nos escalopes panées. Donc dans les œufs, on a mis les épices d'escalope de poulet, comme je vous ai dit. Ensuite, on les a baignés dans la crispy accroche, c'est une sorte de chapelure farine, quoi. Et ensuite, on les a mis dans les cornflakes croustillants. Et on va vous montrer le résultat. Donc voilà les filles. Donc là, du coup, hop, on a mis dans notre poêle de l'huile. Donc les filles, on va retourner les escalopes et le on regarde ça mûre, vous voyez. J'ai d'en rajouter, j'ai changé d'huile. Et là, et voilà le travail les filles. Franchement, ça m'a l'air excellent. J'ai trop escalopes panées. Bon les filles, regardez, nous on est parti sur une petite salade accompagnée de son escalope les filles et moi. Ça m'a l'air trop trop bon. On va tu me dis si t'aimes bien du coup. Vas-y. La chapelure, etc. La panure. C'est bon? Ils sont bons à l'intérieur, croustillants à l'extérieur. Tout ce qu'on aime. Bon. Okay, super. KFC? Ah ouais. Ah. Allez, voilà! Vas-y, maman, ouvre. Maman, elle va prendre des petites pommes de terre pour mon bébé. Elle va faire ça avec de la crème. Nous, on va partir sur une petite tarte tomate cerise. En fait, mes goûts, vous savez quoi? Je crois que c'est humain. Même si demain, j'ai 6 gosses. Avant de me dire à quand le 7e. Je pense que en fait, c'est comme ça, en fait.